Bonsoir donc à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Donc nous avons la chance ce soir d'accueillir François Lissarag, que je vais présenter en quelques mots. Mais d'abord, j'indique que sa venue, elle est due à l'invitation de la Revue des études anciennes, que j'ai la chance de diriger. Et donc cette conférence est filmée avec l'accord, bien sûr, de François Lissarag. Et nous la mettrons très rapidement sur notre site, puisque ça fait partie de nos projets de développement, que à côté de la revue papier, qui est une revue scientifique, avec donc les priorité d'une revue de cette sorte, nous avons souhaité élargir les contenus et offrir, en particulier sur le net, des contenus un petit peu différents, de manière à compléter peut-être l'information et aussi à donner envie de s'intéresser à l'histoire ancienne et donc d'utiliser tous les supports possibles. Et donc ce soir, nous inaugurons avec François Lissarag ce premier support, donc qui est un support vidéo, mais nous espérons bientôt accueillir aussi des textes. Bref, on va essayer un petit peu d'occuper l'espace Internet en inventant des contenus qui sont adaptés à Internet et non pas simplement basculer du texte ou de l'information qu'on aurait par ailleurs écrit, ça on le fait bien sûr, mais c'est pas ce qui nous semblait le plus intéressant, hein, c'est d'utiliser l'outil pour ce qu'il est et donc de valoriser un certain nombre de choses par ce biais. Alors je remercie bien sûr grandement François Lissarag d'avoir accepté de venir à Bordeaux. Il a en plus été extrêmement utilisé puisqu'il a fait 2 heures de séminaire tout à l'heure pour les étudiants de master et plus pour les initier dans le détail au travail scientifique sur l'image. Et puis maintenant il nous propose donc une conférence dont le propos est plus large. Et je voudrais souligner ici la chance que vous avez de pouvoir écouter François Lissarag. L'année dernière, j'ai eu, moi, la chance de pouvoir suivre quasiment en totalité son séminaire à l'EHESS. Et c'est aussi cette joie-là qui m'a donné envie de l'inviter pour la faire partager aux étudiants et aux étudiantes de Bordeaux, pour qu'ils aient eux aussi la chance d'écouter un scientifique, un chercheur de renom qui est capable de parler avec simplicité de choses complexes, mais si, et de rendre passionnante toute une série de problèmes qui ne le sont pas a priori quand on rentre dans la salle. Et je trouvais que voilà, il y a pour moi une forme de tour de force permanent qui s'accompagne toujours d'humour et de simplicité, ce qui n'est pas les moindres de ses qualités. Alors François Lissarag est donc directeur d'études à l'EHESS depuis 1996. Je ne vais pas retracer tout son parcours. Il est spécialiste d'anthropologie et d'images en Grèce ancienne, donc d'iconographie de l'Antiquité grecque, si vous voulez, sur les vases. Il vient de me confier ses 155 articles, c'est ça? Voilà, donc 155 articles écrits, je ne vais pas évidemment... Pas tous dans la RE1, malheureusement, un seul, un sur 155, mais il vient de promettre de changer les choses. Mais je voudrais juste évoquer quelques ouvrages qui permettront à certains et certaines d'entre vous de prolonger ce moment de rencontre. Il y a bien sûr La Cité des images, hein, c'est cet ouvrage écrit à plusieurs, qui est un ouvrage vraiment qui pose, je crois, un certain nombre d'éléments méthodologiques, scientifiques, sur l'intérêt de travailler avec les images. Et vous savez que, enfin pour certains, les plus avancés, vous savez que ça a pu donner lieu à des discussions scientifiques, en particulier avec Nicole Laureau. Mais c'est vous dire l'importance, je crois, de cette thématique. Et puis, plus récemment, en 1990, L'autre guerrier, archer, peltaste, cavalier dans l'imagerie attique, qui là aussi, je crois, par le titre lui-même, L'autre guerrier, hein, c'est une forme de réponse d'ailleurs à Nicole Laureau, puisque ça montre qu'avec les images, on peut faire apparaître une autre cité qu'une cité uniforme, qui serait une sorte d'idéalisation d'elle-même, puisque le titre lui-même le dit, L'autre guerrier, hein, donc les images sont aussi une source pour nous informer sur la pluralité des situations, et pas simplement une sorte de mise en série du même jusqu'à épuisement. Et puis plus récemment, en 2013, La Cité des Satyres, une anthropologie ludique, Athènes 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Je trouve que le sous-titre dit assez bien qui est François Lissarag, une anthropologie ludique. Vous avez l'anthropologie, donc l'anthropologie historique, que l'on pratique assidûment à l'EHESS et au sein du centre Anima, mais aussi ludique. Cette manière, au fond, de nous laisser entendre que ce qui est fait est à la fois amusant, mais aussi
sérieux. Donc je lui passe maintenant la parole pour cette conférence d'une heure. Alors il est comme moi, apparemment il a changé le titre par rapport à l'affiche, ce qui me le rend encore plus sympathique parce que je me sens encore moins seul. Merci beaucoup, c'est très embarrassant, hein, mais bon, bref, merci quand même. Je suis très content de revenir à Bordeaux, j'ai un nom du Sud-Ouest, j'ai vécu ma toute petite enfance ici, pas dans cette université qui n'existait pas, mais j'ai habité Bordeaux du temps où il y avait du tram, 49, 52, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais la question donc, c'était de venir vous parler un peu de ces images grecques. J'ai changé le titre un peu par inadvertance, il n'y a même pas de stratégie, je suis désolé Raymond, mais ça s'appelait Images et Histoire, et puis c'est devenu Anthropologie et Images, qui est le titre auquel d'habitude je m'accroche, parce que c'est autour de ça que j'ai tourné. Donc pas vraiment histoire au sens où, oui je fais avec Vidal Naquet et quelques autres de l'anthropologie historique, et je me suis dit que peut-être le mieux c'était de faire une présentation un peu générale des problèmes qui se posaient. Alors, il y a trois ou quatre sections dans mon exposé. Selon la durée, je m'arrêterai peut-être pas jusqu'à la fin. Mais je commence par des questions de méthode. Et la première, c'est une opposition qui est pour moi extrêmement importante. Je parle des historiens, donc l'historien travaille avec des documents. Mais ce rapport, l'historien, il construit des monuments en documents. Voilà. On n'a pas des documents, on a des objets. Et je commence par une caricature, je m'en excuse, mais elle est très éclairante. Je veux dire, une caricature, c'est pas parce que c'est un dessin, ceci n'est pas une caricature. C'est la page d'un livre pour adolescents, paru il y a une quinzaine d'années, sur la Grèce ancienne, et qui illustre cette idée qu'il y avait des esclaves en Grèce ancienne. Et comme vous voyez, sur ce détail, sur fond de frise du Parthénon dessiné, il y a une petite vignette qui représente, dit la légende, un esclave battu, d'après un vase grec. Quand j'ai vu ça, j'ai un peu bondi parce que j'avais en tête le vase d'où est tiré ce détail, et le détail ne correspond pas du tout à ce qu'est l'original. Mais la procédure est intéressante. Encore une fois, je ne prétends pas que tous les historiens font ça, mais l'historien traite un sujet et puis se demande est-ce qu'il y a des images qui pourraient compléter, illustrer, on va dire. Et il y en a toujours, du moment que si on veut des illustrations, on en trouve toujours. Mais la manière dont c'est fait est un peu inquiétante. Je mets côte à côte ici la vignette qu'on vient de voir, le détail sur le vase original et une vue un peu plus large de ce même détail. Donc le personnage qui est ici, on le retrouve sur un vase attique qui est au musée d'Athènes, qui date des années 470 à peu près. Et on voit en fait, un personnage qui a un genou à terre, qui élève les mains, qui a l'air effrayé par ce qui se passe autour. Il est caractérisé par son profil et par la calvitie comme un barbare, un non-grec. Et vous voyez, il a un vêtement court qui est soigneusement relevé à la taille pour faire apparaître son sexe que le dessin chez les adolescents a soigneusement gommé, mais remplacé, il n'y a même pas une feuille de vigne, il n'y a plus rien. Circulé, il n'y a rien à voir. Or, ce que le peintre a soigneusement voulu montrer, c'est un élément qui précisément va caractériser le personnage qu'il représente. C'est un personnage dont le sexe est circoncis. Et cette circoncision le caractérise comme non grec, et je vais vite, hein, c'est pas évident comme ça, mais comme égyptien. Mais un égyptien à la grecque, c'est pas un document sur les égyptiens, c'est une image qui dit quelque chose de la manière dont un peintre grec imagine un égyptien. Et le détail à côté montre qu'il est dans une scène mouvementée qu'on va voir de plus près, mais qu'il a laissé tomber un objet, avec un couteau qui tombe et un panier. Ce panier, j'anticipe, ça ne se devine pas comme ça, c'est un objet qui sert dans les sacrifices à apporter des graines, on va le voir sur la scène générale. L'ensemble du vase, c'est une scène qui représente, comme vous le voyez, un personnage vêtu d'une peau de lion avec une massue. Donc ça, c'est des éléments faciles, c'est pour débutants, hein. Un homme avec une peau de lion et une massue, c'est Héraclès. Il y a un code là derrière. Et ce code, vous ne pouvez pas l'inventer, il faut l'apprendre. Et bon, ici, vous le connaissez, c'est une des figures les plus faciles à reconnaître. Donc, on a un Héraclès près d'un autel qui est en train de se bagarrer avec des personnages qui sont caractérisés comme des non-grecs. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'image ne nous le dit pas. Et j'insiste là-dessus.
Les images ne racontent pas d'histoire. Les images présentent des éléments qui se réfèrent à des histoires que soit vous connaissez, et donc vous les reconnaissez dans l'image, et si vous ne les connaissez pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous les explique, comme peut-être la première fois vous avez vu ou entendu des choses, il y a quelqu'un qui vous a dit « Ah oui, ça c'est tel ou tel élément de la culture ». Une culture, elle est faite de savoirs partagés, communs, qui circulent. Ce qu'on a ici sous les yeux, c'est une des aventures d'Héraclès. Et pour nous modernes, pour les historiens d'aujourd'hui, si on veut savoir ce que les Grecs racontent à propos d'Héraclès, on n'a pas 36 façons de faire, on a des textes. Et il faut les lire et aller chercher dans la documentation dont nous disposons, qui est fermée, qui est close. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur Héraclès ? Donc on va chercher dans Apollodore, dans Diodore de Sicile, qui développe de longs récits sur Héraclès. Et là, on trouve en effet qu'il y a un épisode d'Héraclès qui va en Égypte, chez le pharaon Busiris, que ce pharaon, qui vit une grande sécheresse de l'Égypte, a été conseillé par un devin, et que ce devin lui a suggéré de sacrifier les étrangers de passage aux dieux, et comme ça, ça reviendrait, la prospérité reviendrait. Donc le premier étranger de passage qui arrive, c'est Héraclès. Et on est, dans la logique grecque, dans un moment de xénia, d'hospitalité. Ce xénos qui arrive, vous savez qu'en grec c'est à la fois l'étranger et l'hôte, ce xénos, on devrait l'accueillir, l'inviter à manger. Héraclès pense que c'est ce qui va se passer. Jusqu'au moment où, arrivé à l'autel, il comprend que l'animal qu'on va sacrifier à l'autel, c'est lui. Et là, évidemment, il n'est pas content et tout explose. Et vous avez donc sous les yeux une image qui met en scène ce sacrifice qui explose. Ce désordre sacrificiel où Héraclès refuse d'entrer dans cette situation où c'est lui qui sera sacrifié et dévoré. Donc, je vous montre maintenant les deux côtés du vase. Je n'ai pas les deux photos en couleur, malheureusement, mais c'est le même objet. Donc, d'un côté, Héraclès à l'autel et des Égyptiens. Donc, l'un qui tombe, qui a lâché le panier et le couteau du sacrifice. L'autre avec sa hache qui se défend, la hache qui sert normalement à assommer la victime. Et Héraclès qui a pris par les pieds un des Égyptiens qui a la tête en bas. Et on verra qu'il laisse aussi tomber des objets. De l'autre côté, une table, des broches, un étui à couteau, enfin tous les instruments de la pratique sacrificielle. Mais au lieu qu'elle soit dans une pompée solennelle qui marche d'un pas régulier, ça part dans tous les sens. Autrement dit, si je reviens en arrière, on n'a pas un esclave battu. On a une scène de sacrifice pervertie, détournée, inversée, comme vous voudrez, une scène de violence qui retourne la violence du sacrifice vers les sacrificateurs anormaux. Cette image-là, on en connaît d'autres exemples. Moi, je suis en train de vous raconter cette histoire. J'importe un certain nombre de données, le texte d'Apollodore, Diodore. J'importe aussi ce que je sais déjà par la mise en série d'autres images, et je vous en donne juste un échantillon, mais il y aurait plein d'autres exemples. Si on collectionne les images où on voit Héraclès se battre avec des gens qui sacrifient, on obtient le résultat suivant. J'en montre un échantillon, mais je mets là trois images qui, à chaque fois, ont un autel, à chaque fois des personnages qui sont dans des vêtements pas complètement grec, puisque ici, on voit qu'ils sont circoncis avec ces robes courtes. Ici, ils ont des robes longues, un peu comme des femmes, ils sont cheveux rasés. Et l'un d'eux est sur l'autel, et de nouveau, on voit le couteau qui est dans le champ qui tombe. On voit ici un personnage qui s'enfuit en courant avec la table. Et celui-ci se tient debout et a lâché le couteau que vous voyez devant l'autel, avec les taches de sang qui ont marqué l'autel. Donc, les éléments pertinents pour le peintre, le choix des peintres, c'est de mettre en évidence l'autel, le désordre, le couteau et la bousculade. Voilà. Et c'est en ça que cette image est une image mythique. Elle ne raconte pas le sacrifice normal, régulier. Elle raconte une péripétie, et beaucoup de thèmes mythologiques servent à questionner les données de la culture matérielle, donc sur la parenté, sur la transmission, sur plein de choses. Le mythe nous met dans des situations anormales qui questionnent et qui remettent en évidence la norme. Si je continue sur cette ligne, donc le vase que je viens de vous montrer est attribué par Bizet, dont on a parlé tout à l'heure avec certains d'entre vous, à un peintre que Bizet appelle le peintre de Pan.
Ce peintre de Pan, il a fait donc cette image de Busiris, mais il a également fait un autre vase qui représente une scène de sacrifice normale, correcte. Et la comparaison contrastée des deux permet de mieux comprendre encore ce rituel. Et je voudrais maintenant avancer en regardant de près cette scène sacrificielle. L'objet lui-même, ma photo est mauvaise, elle est prise à Naples dans les réserves du musée, c'est un cratère, donc c'est un objet du banquet qui sert à mélanger le vin et l'eau, qui est vu par des buveurs dans un cercle relativement restreint d'une douzaine de personnes. Et tout en buvant du vin, ils ont sous les yeux l'image d'un sacrifice de viande, je vais revenir sur les détails, et la mise en ordre de ce sacrifice et de ce partage alimentaire entre d'une part les hommes et les dieux, la fumée pour les dieux, la viande pour les hommes, et d'autre part entre les hommes qui se partagent cette viande et qui ensuite boivent. Donc voilà le contexte. Et donc vous voyez que je suis en train de m'éloigner de plus en plus du détail tiré d'un objet, on ne sait même plus quel est l'objet, que je reviens vers l'image complète, l'image sur l'objet, l'objet dans son contexte et dans sa situation. Et il y a un pas de plus qu'il faudrait faire, que j'évoque simplement, mais je ne vais pas prendre cette direction. Cet objet, pour une fois, on sait d'où il vient. Il a été trouvé dans la nécropole de Cum, donc une nécropole. Cum, c'est près de Naples, c'est la ville qui précède Naples. Et on a là donc un objet qui, in fine, produit à Athènes, utilisé au banquet, puis exporté vers la Grande Grèce, devient un objet cinéraire. Il contient les cendres d'un défunt. Donc ça, c'est un deuxième niveau de lecture que je n'aborde pas. On peut en discuter après si vous voulez. La plupart des vases que nous avons aujourd'hui dans nos musées proviennent de nécropoles, de Grande Grèce ou d'Étrurie. Et il y a là un contexte et une histoire et un usage différents. Je m'arrête à l'étape précédente, c'est-à-dire le moment de ces vases fabriqués à Athènes. On a de bons éléments pour penser qu'ils sont fabriqués à Athènes, et dans une utilisation ici de banquet, enfin de la vie concrète, pratique, soit rituelle, soit quotidienne du banquet, des Athéniens. Donc, je viens du vase à l'image, on a une image qui représente un sacrifice. Cette image, elle n'est pas plus un document que l'image précédente. Les historiens des religions, Vernon le premier, dans La cuisine du sacrifice, et Jean-Louis Durand et moi-même, on s'est souvent servi de cette image-là pour comprendre le sacrifice grec et en analyser les éléments. On a, comme vous le voyez, le dessin est plus facile à lire, une scène autour de l'autel avec trois personnages en action et une statue caractéristique, un pilier, c'est un objet, il n'y a aucune ambiguïté, hein, c'est pas une figure en pierre, c'est une pierre, avec une tête, un Hermès, un peu comme à l'entrée de la bibliothèque. Là, je viens de voir Robert Etienne, à peu près pas tout à fait dans le même état. Bref, on va couper ça du film, au montage. Hein. Mais voilà, on a un Hermès, un dieu présent, visible, par un artefact. Donc cette figure de dieu qui, dans le réel, n'est pas là, on la représente comme ça. Et donc, autour de cet autel et de cette statue, on a des personnages en action avec des objets faisant un certain nombre de gestes, et il y a même tout autour d'autres éléments. Par exemple, cet élément-ci, comme ça, je vois vos regards perplexes, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on a envie, je ne vais pas faire le test là dans l'amphi, mais comme ça, a priori, si on n'a pas fait ce travail sur le sacrifice grec, on voit un oiseau là, et on a l'impression, la forme évoque quelque chose comme un oiseau. En réalité, ce sont les cornes et l'os frontal d'une chèvre sacrifiée dont les restes sont accrochés dans le sanctuaire comme traces de sacrifices précédents. On a des restes des ossements, des bucranes, des éléments comme ça, et des taches de sang sur l'autel. Donc il y a des traces d'événements précédents. On a aussi sur le côté ici une espèce de bâton avec cette chose-là que, là aussi peut-être a priori, on aurait envie d'identifier à une flamme, quelque chose comme une torche. En réalité, si vous regardez attentivement et en faisant les séries complètes, que je n'ai pas le temps de faire là, mais qu'on peut faire, ce qu'on reconnaît ici, cet objet, c'est le même que celui-là. C'est une broche. Il y a un talon, une poignée. Donc ce n'est pas un bâton, c'est une broche. Et elle sert à rôtir la viande au feu de l'autel. Et ce que vous avez là, c'est du beefsteak qui attend. C'est des brochettes en attente pour le sacrifice. Donc il y a un premier niveau qui consiste à identifier les objets
Et cette identification, tantôt elle est facile parce que ce sont des objets qui nous sont familiers, et tantôt elle ne l'est pas parce que nous projetons ce que nous avons en tête, l'oiseau, la flamme, à des formes qui y ressemblent dans nos manières de faire, mais qui en réalité sont distinctes dans des cultures différentes. Donc c'est comme une langue étrangère, hein. Les images, il ne suffit pas d'avoir des yeux pour les voir. J'ai dit tout à l'heure, et je maintiens, c'est ce que dit Gombrich, on ne regarde pas avec les yeux, on regarde avec son cerveau. On voit les choses à travers ce qu'on connaît. Et en regardant, on reconnaît. Donc on est pris par toute une série d'images mentales, de comparaisons, d'analogies. Quand on est devant une image comme ça, on fait des ajustements successifs. Il y a pour ça, dans le monde grec ancien, un texte merveilleux qui est le début des Euménides, d'Eschyle. Peut-être vous vous rappelez, la prêtresse sort du temple en disant j'ai vu quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire, des êtres comme ça qui ronflaient. C'était des gorgones, mais pas vraiment des gorgones, c'était pas vraiment des harpies. Bon, c'était les Irini. Donc une chose irreprésentable, et on voit ce processus d'ajustement successif se faire dans le texte d'Euripide. Et là, c'est la même chose. On voit des formes, est-ce que c'est un oiseau, des cornes? Bon, il faut faire le boulot. Je ne vais pas plus loin, j'insiste sur un autre point. Donc l'image qui est là met en scène un certain nombre de choses, et comme vous le voyez, il y a trois personnages qui chacun tient des objets. Vous reconnaissez ici l'objet qui tout à l'heure était tombé des mains du prétendu esclave battu, c'est ce panier. Alors, pareil, on aurait envie de penser que c'est une couronne ou que c'est un tabouret tenu à l'envers. Donc, il faut faire le travail, c'est pas un objet familier, il faut l'identifier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iconographie. Et l'iconographie, ça suffit pas. Il faut reconnaître, et puis une fois qu'on a reconnu, il faut comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu ici, on reconnaît un panier, on y voit. Donc le panier, c'est un objet qui contient des graines. Et ces graines, j'importe un savoir ici, on sait qu'elles viennent de l'agriculture, elles sont utilisées dans le sacrifice, elles sont jetées sur la tête de l'animal qui baisse la tête et qui a l'air d'acquiescer. Donc le rituel est fait pour faire comme si l'animal était d'accord pour être sacrifié. Il ne doit pas du tout se révolter comme Héraclès tout à l'heure. Donc les graines, le personnage suivant à gauche est en train de faire une libation avec une coupe et il verse du vin sur cet autel. On voit ensuite en dessous, au bout des broches, de la viande et on voit enfin sur l'autel du feu, la flamme de l'autel qui rôtit les viandes, on fait libation et on met des graines. Ces trois objets, ces quatre éléments ne fonctionnent pas en même temps. Il y a d'abord les graines, puis il y a les libations, puis il y a l'abattage de l'animal, puis la découpe, puis le rôtissage des viandes. Donc cette image est une synthèse, elle est un montage. C'est évidemment pas un document photographique, ethnographique. Et c'est intéressant pour ça. C'est intéressant parce qu'au lieu de nous donner ce qu'on aimerait bien avoir par ailleurs, moi je serais ravi d'avoir un film d'un gars qui serait allé filmer un sacrifice et peut-être qu'on comprendrait un certain nombre de choses. Mais on sait déjà que le gars qui filme le sacrifice, il a aussi une théorie implicite dans sa tête. Mais laissons ça. Ce qu'on a ici, en revanche, c'est ce que le peintre considère comme important et pertinent et bon à montrer. Et donc le choix des éléments, le panier, la libation, la viande, et aussi l'organisation de ces éléments, il les met en colonne, les uns au-dessous des autres, presque comme le menu, hein, c'est la recette. Pour faire un bon sacrifice, prenez des graines, prenez du vin, prenez de la viande, mettez-les. Et on a là la synthèse de ce qui est pertinent et important dans le sacrifice. Il y a plein d'autres choses qui comptent dans le sacrifice. On sait qu'il y a de la musique, on sait qu'il y a des prières, on sait qu'il y a du monde autour, donc on ne peut pas tout montrer. Mais au fond, c'est la même chose si on imaginait comment représenter la messe, par exemple. Alors on la voit à la télé, comment filmer ça? Et en tout cas, dans la peinture gothique rhénane 15e siècle, ce qu'on voit de la messe, c'est la messe de Saint Grégoire, donc ce pape qui fait l'élévation, et qui sent que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'y croit pas, qui a des doutes sur la présence. Et ce que les images montrent, c'est la présence du Christ dans la messe de Saint Grégoire. Donc la représentation du rituel, elle n'est pas faite pour documenter un manuel d'histoire des religions. Ils ne sont pas en train de faire des documents pour des historiens. Ils sont en train de mettre en image ce qu'ils considèrent, eux, comme important à montrer, c'est-à-dire l'efficacité de ce rituel. Et donc, on est dans un ordre tout à fait réglé. C'est presque une modélisation du rituel, plus qu'une représentation du rituel.
Je prends un autre exemple, il ne faut pas que je traîne trop. Ici, de nouveau, une scène de sacrifice. Vous reconnaissez maintenant l'autel, vous reconnaissez les broches. On voit ici les bûches et peut-être on voit même la carcasse, là, la fin de la colonne vertébrale qui brûle à l'autel, qui est pour les Grecs un signe important. Si ces ossements brûlent correctement, hiera kala, les sacrifices se passent bien, les dieux sont contents. Et là aussi, on a un certain nombre d'objets manipulés. Il y a une énokoé qui est tenue par cette femme, une fiale qui est tenue par l'homme qui est devant elle, et puis les broches, les obéloïs, qui sont à l'autel, bomos, rôtis à l'autel. Donc deux actes, la libation, le rôtissage, qui n'ont pas lieu en même temps, mais qui sont présentés en même temps dans la même image. Et je vous montre un dessin du même vase qui fait mieux apparaître des rehauts blancs que la photo ne montre pas. Sur les rehauts blancs ici, on voit que le vin coule de l'énokoé à la fiale et de la fiale au sol. Donc la continuité de la libation, cette trajectoire qui fait qu'il y a un partage des hommes vers les dieux, elle est mise en évidence par le dessin. Et puis surtout, le personnage qui est là, il a des ailes, il est en l'air, c'est une figure divine, elle est nommée Niké par l'inscription. Donc les dieux interviennent comme moteurs dans cette opération. Et plus encore, ici, le musicien qui est là, qui assiste au sacrifice, qui participe, il s'appelle Apollon. Donc c'est le dieu lui-même qui est présent, non pas comme une statue, tout à l'heure on a vu l'Hermès comme un artefact. Ici, l'image, elle rend visible ce qui, dans le rituel, est pensé comme étant là, mais que concrètement on ne voit pas, et que l'image rend visible. Donc, comme le dit Paul Klee de la peinture, elle ne reproduit pas le visible, elle rend visible. Et ces images archaïques du monde grec font cette opération-là. Autre exemple ici, on reconnaît maintenant, c'est clair j'espère pour tout le monde, l'autel. On est dans un temps antérieur puisque la victime est encore en état de marche. Et comme vous le voyez, elle avance très tranquillement. Il y a un personnage qui l'accompagne très doucement. Ce que l'image essaie de montrer, c'est que la victime est d'accord, que ça se passe bien, que tout est dans le bon ordre. Et en même temps, comme vous le voyez, ici, vous avez de nouveau Apollon dans son aiskos, présent comme une figure qui est à égalité avec les autres, comme une figure équivalente aux autres personnages, divine bien sûr, mais présente pas comme une statue ou un artefact, mais comme un dieu participant. Alors que si je change de support, je passe des vases qui sont des objets de relativement petite dimension vus en proximité, et que je passe à un relief votif, je suis dans la même pratique, dans la même culture, dans les mêmes croyances, mais j'obtiens des objets différents. Ici, j'ai une stèle votive en pierre dont le cadre reproduit une architecture, comme si on était dans le portique à l'intérieur d'un sanctuaire. Je retrouve l'autel et l'animal qu'on amène à l'autel, mais la divinité est deux fois plus grande ou une fois et demie plus grande que les sacrifiants. Donc le rapport des hommes et des dieux sur cet objet-là, il est très fortement signalé, la différence, alors qu'au contraire sur le vase, ce qu'on a essayé de faire, c'est une grande proximité. Le dieu est là, mais comme les autres acteurs, alors que sur le relief votif, il se dégage et se détache de très loin. Ici, on reconnaît, parce qu'elle tient un arc et qu'il y a une biche, une Artémis. Le relief provient du sanctuaire de Broron, en Attique, et on a là ce rapport des hommes et des dieux sur un objet qui est lui-même fixe à l'intérieur du sanctuaire. Donc le dispositif est complètement différent. Le vase est vu au banquet, c'est un objet mobile qui circule, qui peut même finir dans un cimetière lointain, alors que le relief, il a été commandé par quelqu'un qui a sacrifié et qui veut maintenir la trace permanente dans cet endroit-là et seulement là du sacrifice qui a été exécuté. Et non pas tel qu'il a été exécuté, mais tel que moi, offrant ce relief, je souhaite qu'il soit enregistré. C'est-à-dire comme quelque chose qui s'est bien passé, bien réglé, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de surprise. Et si je change encore de support, que je passe à une monnaie, j'ai de nouveau les mêmes éléments, un autel, des statues, une figure qui est une figure divine d'un Apollon qu'on reconnaît à son laurier, tenant la fiale des libations, donc exactement comme l'Artémis ici du relief votif, c'est-à-dire les dieux tiennent à la main l'objet même des offrandes qu'ils reçoivent. Et en même temps, vous le voyez, c'est un objet très différent. C'est une monnaie,
une monnaie de Sélinonte. On lit le nom de la cité. On reconnaît ici le persil qui se dit en grec Sélinos. Donc il y a des mots derrière. Il faut penser les images d'une culture dans la langue de la culture qui les produit. Donc cette feuille de persil, elle dit le nom de la cité. Et le dieu est un dieu polia, donc on n'est pas vraiment dans une propagande, mais on est dans un marquage par une cité du dieu qu'elle honore. Et donc la même pratique se décline selon les supports de manière très différente. Et à l'intérieur de cette pratique, les reliefs votifs choisissent constamment, il n'y a pas d'iconographie de viande rôtie à l'autel sur un relief votif. Parce que dans le sanctuaire, on n'est pas en train de manger tout le temps, alors qu'au banquet, c'est cet aspect-là qui est retenu. Donc les choix des peintres ou des artistes sont modalisent à l'intérieur de la pratique ce qu'on retient et ce qui est pertinent, pas seulement par rapport au rituel, mais par rapport au lieu de perception et d'usage de l'image. Donc vous voyez que de document à monument, il y a des écarts. Et j'ai dit tout à l'heure, j'insiste, en tout cas dans le travail que j'essaye de faire, je me suis plus souvent intéressé à comprendre pourquoi on avait fait tel type d'image et qu'est-ce que ces images racontent et comment ça fonctionne, plutôt que de partir de « tiens, je fais un livre sur les magistrats, est-ce que tu n'aurais pas une image de magistrat à me donner ?» On peut faire ça. On peut faire ça, mais c'est beaucoup moins productif que l'inverse, si je puis dire. Et l'un n'exclut pas l'autre, loin de là. Je voudrais revenir sur le couteau, le détail que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que dans la plupart des images de sacrifices qui se passent bien, ce couteau n'apparaît pas. Alors, on a même écrit avec Jean-Louis Durand qu'il y avait une espèce de censure de la violence. Une des choses dont je suis sûr, c'est que la majorité des images sacrificielles du 5e siècle présentent un sacrifice qui se passe bien, une procession en ordre. Et on est donc même allé jusqu'à dire, au fond, le couteau, il est caché, il n'est pas montré. On a une scolie d'Aristophane qui dit, le couteau, il est dans le panier, on ne le voit pas trop, sauf, évidemment, quand ça se passe mal. Quand il y a une violence qui est exercée contre Héraclès, le peintre, en montrant le couteau, souligne en effet ce qu'il y a de meurtrier dans le sacrifice. Le thème des bouffoniens, il y a une histoire à Athènes qui est la suivante, qui dit que dans les temps primitifs, les hommes ne mangeaient pas de viande, ils étaient végétariens. Et ils offraient des graines aux dieux et des gâteaux de pâtes comme ça aux dieux. Et puis un jour, en revenant du labour, on travaille la terre et ça fait pousser la graine, d'où l'importance des graines dans le sacrifice, le bœuf passe devant l'autel et il mange les gâteaux pour les offrir aux dieux. Et le paysan, pas content de ça, parce qu'il considère que c'est un sacrilège, tue le bœuf pour le punir d'avoir mangé la part des dieux. Et voilà, donc le bœuf est puni, et puis il y a une grande sécheresse qui s'abat sur l'Attique, il y a plein de problèmes, tout est bloqué, jusqu'au moment où on comprend qu'il y a une souillure, que ce meurtre doit être puni. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va juger ce meurtre. Mais le paysan dit, mais c'est pas moi qui ai tué le bœuf, c'est la hache. Et donc c'est la hache qu'on va condamner, qu'on jette à la mer, et il y a un tribunal archaïque à Athènes qui juge les crimes sur ce mode-là. Donc une espèce de comédie de l'innocence, si vous voulez. Et cette comédie de l'innocence, elle a été récemment critiquée par un certain nombre de collègues qui disent pas du tout, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de tabou du couteau, tout ça c'est des histoires de parisiens structuralistes, ça ne marche pas comme ça. Je persiste et signe, peut-être en nuançant un petit peu les choses. Il n'y a en effet pas d'interdiction de montrer le couteau, ça n'est écrit nulle part, et il n'y a aucun texte qui dise ça. Il y a une tendance générale des images sur laquelle je n'ai pas changé d'avis qui fait qu'on ne voit pas le sang couler sur les images du sacrifice, sauf exception. Et les exceptions, les voilà. Alors il y a des images comme celle-là qui est au Louvre, où là, rien d'exceptionnel. On voit un autel taché de sang, un sacrificateur, le couteau à la main, l'autre qui tient le petit cochon et qui l'empêche de brailler, et on va clairement trancher la gorge du cochon, et le sang va couler, il n'y a pas de discussion. Donc ça existe, ce n'est pas interdit. Mais très souvent, ce qu'on a, c'est comme ici, sur ce vase fragmentaire, où vous avez des scènes de bataille, des gens qui combattent, et ici, un personnage, l'épée à la main, en train d'égorger un bélier. Donc on est
à la guerre, dans des temps de violence, et on a un sacrifice préliminaire au combat qui est représenté par l'image. Autre exemple, ici, pareil, un bélier égorgé à l'épée, pas à la macaïra. Donc la macaïra, c'est une espèce de couteau qui tranche pour sacrifier. L'épée, ça perce et c'est fait pour se battre. Et ici, vous avez un guerrier armé qui sacrifie avant la bataille. Donc cette violence, elle est montrée dans des scénarios de violence, de la guerre. Elle est également montrée dans des scènes mythologiques comme celle-ci, où vous avez... je ne sais pas si j'ai le détail qui vient ensuite. Ça devrait... Oui. Vous avez une scène à l'autel avec la flamme de l'autel qui brûle et au-dessus de l'autel, on est en train d'égorger tranquillement une femme tenue par des guerriers, pas par des prêtres, on n'est pas dans une scène sacrificielle tout à fait normale. Et la demoiselle s'appelle Polyxène, le sacrificateur s'appelle Néoptolème et on est dans la fin de l'Iliou-Persie, c'est sacrifice, sacrifice humain à Achille. Donc ce n'est pas non plus une histoire standard et ordinaire. Donc il y a en effet la violence du sacrifice, elle est montrée, mais elle est montrée dans des cas assez particuliers. Et puis oui, on montre le couteau, et on le voit en particulier sur un certain nombre de stèles comme celle-ci, où le couteau ici permet de caractériser le personnage comme un prêtre. Sans ce couteau, impossible de dire le statut de ce personnage. Et c'est la même chose sur cet exemple-ci. Le couteau apparaît, mais on n'est plus dans le sacrifice. On est dans un marquage qui indique l'identité du personnage, le statut social du personnage. Et donc, cette mise en scène du couteau, dans ces images, elle est pertinente soit par rapport au statut social, soit par rapport à la violence. Autre point, je prends cette image ici comme un dessin. Je disais, j'ai souvent répété ça, il faut se méfier des dessins parce que les dessinateurs dessinent ce qu'ils comprennent. Et donc, quand il y a un détail un peu compliqué, ils le simplifient, ils l'éliminent ou ils élaguent. Ce qu'on a là sous les yeux, c'est une vignette que je prends dans le D'Arembert et Saglio, dictionnaire des antiquités, ouvrage historique s'il en fut, à la fois utile et dont je voudrais que vous soyez... très critique en l'utilisant. On le trouve en ligne, hein. À Toulouse ils l'ont numérisé, donc il est très facilement accessible. Comme vous le voyez ici, la légende nous dit couteau, j'arrive pas à lire sur mon petit écran là, mais quelque chose comme couteau pour manger. Donc on nous présente cette image comme quelqu'un qui est en train de casser la croûte et qui a en effet un morceau de viande et de la viande sur la table et qui a son couteau pour manger. C'est absolument exceptionnel qu'on voit quelqu'un en train de manger dans des images comme ça du 5e siècle. Là encore, l'original est tout à fait différent. Sous la table, il y a un cadavre. C'est le cadavre d'Hector. Ici, vous avez Priam qui vient supplier Achille de lui rendre le cadavre de son fils et qui apporte des cadeaux. C'est la rançon. Et le cadavre, il est associé à la viande, là. Donc on est dans quelque chose qui est assez proche du cannibalisme, qui est l'équivalent graphique de ce que dans l'Iliade on a quand Hector s'apprête à se battre contre Achille, il lui dit « si tu me tues, tu rendras mon cadavre à mes parents ». Et Achille répond « jamais de la vie, je te dévorerai ». Il parle en cannibale. Alors ce n'est pas ce qui se passe dans l'Iliade, mais ici c'est quelque chose d'équivalent. Donc on n'est pas du tout dans le couteau fourchette, couteau du couvert à table. Hein. Ce n'est pas un document sur l'histoire de l'alimentation en Grèce ancienne. Je ne suis pas d'accord avec ça. On est dans quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est pour ça qu'il y a un couteau. Et quand il n'y a pas de violence, il n'y a pas de couteau. Et je persiste et signe. N'en déplaise à Bonnechère et quelques autres collègues. Donc je vous remets là l'ensemble de tout ça pour dire que, voilà, quand on fait de l'iconographie, on identifie une macaïra. Quand on fait de l'anthropologie de l'image, on réfléchit à pourquoi on montre cet objet, dans quel contexte, et comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça nous dit, non pas de nos impressions à nous, modernes, sur les Grecs, qui sont des violents ou pas des violents, on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est sur ce que les Grecs et les peintres choisissent de montrer, qu'est-ce qui est pertinent, et c'est pas mécanique et automatique. Les contextes sont extrêmement importants. Alors j'ai déjà trop parlé, mais j'en arrive à mon deuxième point, c'est déjà pas mal. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les images ne racontent pas
Elle montre des choses. Il y a des objets, il y a des éléments. Les uns, on les reconnaît facilement, la peau de lion. Les autres, le canoun, le panier, c'est moins évident. Il y a un travail à faire. Mais il y a derrière des références dans le monde réel. Mais il y a aussi des décalages. Et je voudrais prendre un exemple assez simple que je tire d'une coupe qui est à Berlin, qui représente à l'intérieur ce que je suis en train de vous montrer au médaillon, un forgeron qui forge des armes, il est en train de filer un casque, il y a son enclume, il y a ses outils, et il y a une femme qui vient chercher tout ça, donc c'est Thétis qui vient dans la forge d'Héphaïstos chercher les armes d'Achille. Pour ceux qui s'intéressent aux rapaces guerriers, voilà un bel exemple. Et donc, à l'intérieur, vous avez le forgeron mythique, exemplaire. Et à l'extérieur, vous avez une scène de fonderie. D'ailleurs, Bisley appelle ce peintre le peintre de la fonderie. Et vous y voyez des artisans au travail en train de monter une statue, probablement en bronze. Il y a des pieds qui sont encore là, il manque la tête, il y a toutes sortes d'outils. Ce qui m'intéresse, c'est près du four, qui est l'endroit techniquement le plus important et le plus délicat, on a ces petits éléments de décor, qui n'est pas vraiment un décor, hein, ce sont des éléments accrochés avec des petites plaques sur lesquelles on voit des silhouettes, ce que les Grecs appellent au singulier un pinax, donc des pinakes, avec aussi des cornes votives. Et ces éléments, peut-être des éléments de sculpture, je ne sais pas, mais en tout cas une série de plaques là. Ces plaques, on les connaît archéologiquement, on a des exemples réels. En gros, il y a deux sources principales. L'une, c'est un site qui s'appelle Pentescoufia, près de Corinthe, où il y a des centaines de petites plaques qui ont été retrouvées dans des fouilles clandestines, donc on n'a malheureusement pas un contexte précis et c'est dommage, mais certaines sont au Louvre et elles représentent des artisans au travail. Vous avez là un four avec son dôme et l'entrée du four, la flamme du feu, et un artisan qui est en train de régler le feu et des dédicaces à Poséidon. Et au revers, un personnage qui est en train de tailler du bois, pareil pour alimenter le feu du four. Donc le travail de potier, représenté par des potiers qui remercient les dieux d'avoir réussi dans leur activité. Dans d'autres cas, ce que je vous montre donc vient de Pentescoufia, les objets sont répartis entre le Louvre et Berlin, peu importe. Ce que je vous montre là provient de l'Acropole d'Athènes. C'est une femme en train de fabriquer des bandelettes et vous en avez ici toute une série. La plaque est brisée. C'est des objets de très petite dimension, très modestes. Les objets plus luxueux, ils sont en pierre. Je donne un fragment ici de femme en train de tisser pour une déesse et qui vient aussi de l'Acropole. Donc on a sur ces plaques votives des images de l'activité des dédicants. Ils ont travaillé et ils donnent aux dieux l'image de leur travail pour les remercier d'avoir réussi. D'autres représentent des cavaliers, ça vient de l'Acropole, ou ici un navire, l'image vient du Cap Sounion, et au temple de Poséidon, il y a des citoyens sur des navires qui représentent leur image, donc leur statut social. Et puis on a d'autres images qui représentent une déesse assise, ou bien, j'espère que vous reconnaissez ici avec sa chouette, Athéna et Hermès, et ici aussi une Athéna et sans doute Apollon. Donc les dieux, ou bien les dieux et des personnages apportant des offrandes. Donc en gros, on a trois situations. L'activité, un peu comme la dîme, on donne une partie de son activité en image au dieu. Le dieu lui-même, le destinataire, et du côté du donateur, soit l'activité, soit le statut social, cavalier, guerrier, etc. En image, on a des choses un peu équivalentes. Par exemple, ici sur ce vase qui est à Munich, on voit des personnages qui portent une amphore et un autre de l'autre côté qui tient une petite image. Quand on regarde de près, on voit qu'il a des branchages, une petite plaque votive et le personnage qui tient une massue, qui est probablement Héraclès. Donc l'image du dieu auquel il va rendre hommage en donnant sa représentation. Ou bien, comme ici, on a toute une série de petits vases qui sont intéressants parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas d'acteur. Il y a seulement les éléments du sanctuaire, un autel, un Hermès pilier, on en a vu un tout à l'heure, un arbre, une plaque votive, et puis cet objet que maintenant vous connaissez, vous reconnaissez, c'est pas un oiseau, il ne vole pas bas, c'est des cornes d'un animal qui a été sacrifié. Donc on est dans un sanctuaire, et il y a une petite plaque votive avec en silhouette quelque chose comme une sirène, un oiseau.
Donc, comme je disais, un Pinax, Hermès, Baumos, et cet élément. Ailleurs, et toutes ces images sont à peu près contemporaines, il y a un moment où ça a été un peu à la mode de fabriquer ces petits lécites qui représentent un sanctuaire, rien de plus, dans lequel on voit un Hermès, un autel, des cornes et des plaques. Et ici, il n'y a même pas de petit dessin, il y a juste l'idée qu'il pourrait y avoir un dessin. À vous d'imaginer ce que vous voulez. Ici, il y a un cheval sur le pinax. Ici, il y a un satyre sur le pinax. Et puis surtout, on a une série, enfin dans cette série, à peu près la moitié de ces images, j'en connais une vingtaine, il y en a une dizaine sur lesquelles, à côté de l'autel et de l'Hermès, sur les pinakes, on a ici un satyre, vous me croyez ou pas, et un Hermès. L'image qui est là répète celle-ci. C'est un truc de peintre, ça. Même chose ici, un Hermès et un Hermès. Donc des images en abîme, emboîtées comme ça. Un jeu de miroir de réflexivité. Et ça continue ici avec un Hermès et un Lutherion. Il y a un autel de l'autre côté du vase. Et ici, des petites silhouettes d'Hermès. Et ça, c'est vraiment un truc de peintre. Même chose ici, et c'est le dernier, je ne vais pas plus loin. Mais si je veux me résumer, d'un côté... Archéologiquement, les pinakes représentent ce que j'ai dit, l'activité, le statut où le dieu est destinataire, alors que les images de pinakes dans les images ne représentent pas ça. On n'a aucun pinax réel qui représente un Hermès. Donc il y a un décalage entre ce que le réel comporte et ce que la représentation du réel retient. Et ce décalage, il est en partie gênant, puisque du coup, on ne peut pas dire que les images nous documentent sur le réel, mais il est intéressant, parce qu'il met en évidence un processus de la part des peintres, de choix, qui peut varier de bien des manières, et sur lequel on pourra peut-être discuter ensuite. Je viens avec un dernier point, parce que je vois que je suis un peu long, qui est, je prends l'exemple de la représentation de la guerre. Vous êtes... un certain nombre d'historiens dans cette salle. Si vous vous intéressez à l'histoire de la guerre et de la cité archaïque en Grèce ancienne, vous avez déjà vu le vase que je suis en train de vous montrer. C'est une petite olpée proto-corinthienne, on la date des années 620. Elle est assez miniaturiste, hein, les figures sont toutes petites. Il y a une scène en bas de chasse, il y a ici des cavaliers et puis un jugement de Paris. Et il y a, sur la partie supérieure, une série de guerriers qui avancent en rang serré et qui sont en train de se préparer à combattre. Vous avez les deux rangs qui s'affrontent dans cette technique que vous connaissez, de l'hoplite, donc de la phalange. Les hoplites sont armés d'un casque, d'un bouclier rond, de cnémide. Ils ont une espèce de deuxième peau de métal qui les protège. Et ils ont un bouclier rond qui est fait pour être tenu non pas par le milieu, mais par le bord. Ce qui fait que la moitié du bouclier vous protège et l'autre moitié protège le voisin. Et c'est comme des tuiles, pour que ça fonctionne, il faut que tout ça soit bien encastré. Et c'est ça qu'on appelle la phalange, la technique de combat des hoplites. Ça existe à partir de 620 en tout cas. Et après, il y a de longues discussions chez les historiens pour savoir si c'est cette technique de combat qui produit l'égalité entre les citoyens ou si c'est l'égalité entre les citoyens qui entraîne. Et peu importe, mais voilà les choses qui ont lieu. Ce vase est utilisé par les historiens comme un document et en effet, c'est un point de référence important. Moi, j'aimerais insister avec vous en montrant... D'abord, on finit de regarder le détail. Vous avez ici un musicien, un olette, qui n'est pas là pour mettre de l'ambiance, mais qui est là pour rythmer le pas, pour que tout le monde marche du même pas, sinon tout ça se déglingue. Donc c'est aussi un instrument mécanique de cette technique de guerre. Il y a toute une série de détails, de boucliers, gorgones, oiseaux, un bœuf, un autre oiseau, des épicèmes extrêmement variés. Il y a une richesse, une poikilia là, de couleurs, d'ornements qui est très élaborée. Donc on a affaire à un peintre qui est très attentif, qui est très soigneux, qui est très précis. En même temps, si vous regardez de près, si vous êtes un peu obsédé par le détail, vous vous rendez compte qu'il y a là quatre têtes, quatre boucliers, mais 10 jambes. Et que donc on n'est pas dans la reproduction photographique de la réalité. Et là vous avez deux options.
Soit vous dites, ben, le peintre, il est mauvais, il s'est trompé. Et moi, je ne crois pas que le peintre soit mauvais. J'essaie de vous montrer à quel point il était minutieux et détaillé. Je pense que c'est un choix. Et que ce choix, cette multiplicité des jambes, elle dit le mouvement, la dynamique, l'énergie de cette phalange. Et donc, là encore, le peintre n'est pas en train de reproduire, il est en train de travailler le monde auquel il se réfère. Il le travaille, il le transforme et il le fait fonctionner encore mieux que le réel. C'est ça que les images font. Elles ne sont pas en train de montrer les choses, elles sont en train de les faire fonctionner. Alors, pourquoi je dis ça? Cet Olpekidji que sans doute vous connaissez, qui est dans tous les manuels d'histoire de la Grèce archaïque, c'est un objet unique. Il n'y a pratiquement pas de représentation de la phalange, il y a quelques autres exemples possibles, mais c'est absolument minoritaire par rapport à la masse d'images de combat qui choisissent une option complètement différente. Le choix des peintres, c'est de montrer le duel des héros. Et je prends un exemple à peu près contemporain de l'Olpekidji, qui vient d'un autre atelier, non pas corinthien, mais de Grèce de l'Est. Et là, vous avez deux guerriers qui s'affrontent avec des boucliers tout à fait superbes, et là encore des rapaces guerriers, autour d'un cadavre, avec une richesse d'ornementation à la fois des armes, mais aussi du champ de l'image, et tous les détails se répètent, donc une espèce de mise en abîme là aussi. Vous avez, c'est un plat, donc le disque du plat, le disque des boucliers, et puis cette espèce d'arbre de volutes qui reproduisent les volutes qui sont là et d'autres dans le champ, et au milieu de cet arbre, des yeux immenses que peut-être vous n'ayez pas tout de suite vus, mais qui sont absolument fascinants et qui inscrivent à l'intérieur de cette représentation le regard du spectateur comme le regard de quelque chose qui est beau et bon à regarder, à voir et à montrer. Ça, c'est du spectaculaire. C'est l'équivalent de Homère. Il n'y a pas d'Achille sans Homère. Il n'y a pas ces images-là sans un peintre pour les faire. Au passage, vous voyez qu'il y a des inscriptions. Alors, je suis vraiment dans une échelle microscopique, mais on a les noms de Ménélas et d'Hector près des personnages et du cadavre de Phorbe pour lequel ils sont en train de se battre. Ce sont des noms qu'on trouve dans l'Iliade. C'est une scène qui n'existe pas dans l'Iliade. Il n'y a pas de combat de Ménélas et d'Hector sur le cadavre de Phorbe. Donc là encore, on voit que nous avons tendance, il y a toute une littérature sur ce plat pour dire le peintre s'est trompé. Il est mauvais parce qu'il n'a pas bien lu Homère. Il n'y a pas de pertinence à dire ça. Il y a un peintre qui a une mémoire épique un peu vaste comme ça et qui choisit de manier des éléments d'une culture épique dont nous n'avons que l'Iliade, mais dont il y a sans doute plein de variantes, et c'est une variante parmi d'autres. Donc ce que les peintres choisissent de montrer, c'est pas la réforme hoplitique, la phalange et la cité archaïque, c'est l'héroïsme des combattants épiques, avec des noms ou pas. Par exemple, ici, je vous montre une scène où on a un combat de deux guerriers qui s'affrontent avec des personnages féminins. Les inscriptions, je crois, ne donnent pas de sens. Elles sont simplement une incitation à nommer les figures, mais elles ne disent pas leur nom. Et ce que je veux vous faire observer, c'est que le guerrier qui est ici à gauche, on voit l'intérieur de son bouclier qui vient se heurter au bouclier de son adversaire dont l'emblème est en partie caché. Cette solution, elle est réaliste, c'est-à-dire les deux boucliers, quand on se bat, les boucliers se cognent, mais graphiquement et visuellement, pour un peintre, elle n'est pas satisfaisante parce qu'on perd l'image qui est là. Et l'option la plus fréquente dans les images de vase, c'est celle-là. C'est de faire passer au premier plan le bouclier de droite de façon à ce qu'on voit l'épicème. Ici, ce sont des écailles, mais ailleurs, il y a d'autres éléments. Et cette solution-là, du point de vue technique et pratique, elle n'est absolument pas réaliste, puisqu'on a l'impression qu'ils se sont mis qu'ils mettent leurs boucliers à l'extérieur et qu'ils sont en train de se battre comme s'ils avaient écarté les boucliers. Donc si on lit ces images de manière réaliste, technique, on part dans des directions qui ne fonctionnent pas. Mais en revanche, et c'est la proposition que je fais, ces images sont une mise en scène esthétisante qui valorise la bravoure, la beauté, le pentakala, tout ce qui est la gloire qui est épique, qui fait, on est d'accord ou pas avec ça, la beauté de la guerre, qui se retrouve dans Homère et qui se retrouve dans les images archaïques, non pas de la guerre sanglante et violente, mais de la beauté héroïque de cette guerre qui est racontée à des buveurs au banquet, qui sont des citoyens, qui sont des combattants.
Donc les Grecs, ils sont comme nous, ils se racontent des histoires. Et ils se racontent des histoires sur eux-mêmes, et on les a là. Donc ce à quoi on accède, ce n'est pas à la technique de guerre de la Grèce au Ve siècle, c'est à ce que les citoyens athéniens avaient envie de se raconter à ce sujet dans, leur, dans l'activité du banquet. Ça ne, on ne peut pas généraliser, ce n'est pas la seule manière qu'ils ont eu de penser, mais ce que les images nous montrent, c'est ça. Et autre exemple ici, où on a le même truc, hein, des boucliers qui passent au premier plan, dans l'image, alors que s'ils étaient en train de se battre, ils devraient être évidemment de l'autre côté. Même chose ici, et j'insiste là sur deux ou trois détails, et j'aurai bientôt terminé, mais là vous voyez deux guerriers affrontés, il n'y a pas d'inscription, donc je ne vais pas les nommer. Ils sont encadrés par Athéna et par Hermès. Donc les dieux sont avec eux, ce sont des héros, les dieux sont avec nous, et le détail ici des armements est tout à fait remarquable, puisque il montre, on voit assez nettement, toute une série de métaphores animales qui viennent s'inscrire dans l'armement. Pas seulement le scorpion sur le bouclier, mais aussi, par exemple ici, le cimier est soutenu par des serpents, qui font écho aux serpents de l'Égypte d'Athéna. Et ici, le cimier est tenu par la queue d'un chien qui est prêt à bondir sur l'adversaire. Donc, on a des armes où on a des éléments comme ça, métaphoriques, le chien, le serpent, le lion. Vous avez ici, au bout de l'épée, le bout ici, un aigle, encore un rapace guerrier, mais il n'est pas en vol. Donc, on a plein d'éléments comme ça. Et les peintres ont plutôt insisté sur la beauté ornementale de l'armure. Le torse est traité avec des palmettes qui sont comme les palmettes qui décorent le vase. Donc il y a tout un travail d'ornementation. Et le choix des peintres sur la représentation de la guerre, il va dans cette direction-là. Sur ce type de support, ça ne serait pas vrai des stèles funéraires, ça serait autre chose. Mais ici, c'est dans cette direction-là que les images travaillent. Et ça va plus loin, puisque là, je prends l'exemple d'un vase qui a la forme, j'en montre que la partie décorée, mais en gros, il a la forme d'un gros champignon. C'est ce que les Grecs appellent un psyctère, un vase à rafraîchir, et ça fonctionne comme une bouteille de champagne dans un seau à glace. Donc on met de la glace dans un cratère, on met le vin dans le psyctère, et tout ça rafraîchit. Donc il y a un raffinement là de technique, il faut conserver de la glace, enfin, c'est pas rien, c'est une société assez luxueuse. L'image de ce psyctère, elle est très intéressante. Ce sont des guerriers, mais comme vous le voyez, ils sont à cheval sur des dauphins, comme si ces dauphins étaient en train de, en cavalcade sur la mer vineuse. Donc cette métaphore du vin devient un lieu réel où les guerriers se circulent. Il y a des inscriptions qui se lisent Epidelphinios, donc ce n'est pas moi qui délire, hein. Ils disent on est à cheval, on est en train de cavalcader sur des dauphins. Et les emblèmes sont très intéressants. Le vase entier, il y a six guerriers qui font le tour. Il n'y a pas d'anse, donc il n'y a rien qui s'arrête. Et quand on fait le tour complet du vase, on a donc six boucliers, six épicèmes. Il y en a trois qui sont des vases, un cratère, une coupe et un cantar. Donc des emblèmes de la guerre qui renvoient à l'espace du banquet du symposium. Et les images ici des boucliers, elles servent à articuler, à basculer d'un monde, la guerre, à un autre, celui du banquet de Dionysos et du vin. Et puis les trois autres, ce sont des motifs circulaires d'animaux ailés, de jambes qui courent, et une roue qui est faite de dauphins, de nouveau. Donc des images emboîtées. Et c'est encore un truc de peintre, ce goût de la réflexivité qui se retrouve dans la langue grecque. En grec, il y a des pronoms pour la réciprocité, pour allélous, éotos, enfin, il y a des pronoms beaucoup plus élaborés que dans le français. Ce goût de la réflexivité qui se trouve dans la grammaire et dans la langue, vous le retrouvez dans les images. Et ces jeux de poupées russes, on en a quantité d'exemples. Alors, ces motifs-là que je vous montre ici, vous avez un vase qui joue sur deux registres, la guerre, le banquet, et qui fait passer de l'un à l'autre. Les motifs qu'on a sur ces monnaies, sur ces boucliers, on les retrouve sur un certain nombre de monnaies. Donc là encore, en changeant de support, on va retrouver les mêmes motifs, mais les logiques vont être différentes et les effets de sens vont changer selon le support et selon le dispositif et selon le contexte.
Alors pour finir avec ces histoires de guerre et de héros, je termine avec ce grand cratère célèbre signé de Phronios, qui a longtemps été au Metropolitan Museum de New York, qui a été rendu à l'Italie, qui vient d'une nécropole étrusque, mais qui est certainement fabriqué à Athènes, et qui représente d'un côté le cadavre de Sarpédon. Le nom de Sarpédon est inscrit près de son visage, et là encore, l'orientation des lettres suit la dynamique du corps, le bras qui tombe, et le nom, je vois mal, mais je pense qu'il est quelque part par là. Il est couvert de sang, mais en même temps, il a une anatomie tout à fait élaborée, une chevelure superbe. Donc il y a là une espèce de beauté du cadavre, ce que Vernant appelait la belle mort, qui est mise en évidence ici, avec Hermès qui surveille le travail de Hypnos et Thanatos, le trépas et le sommeil, qui emporte le corps de Sarpédon, fils de Zeus, vers sa Lycie natale, chère aux Bordelais, si j'ai bien compris. Et donc, on a d'un côté une image héroïque de la guerre tout à fait extraordinaire. Si vous mettez Sarpédon debout, il est plus grand que le vase. Donc il y a une espèce de surdimensionnement du cadavre tout à fait remarquable. Et puis de l'autre côté du vase, donc voilà le détail des inscriptions. Il y a le nom de Euphronios et Graphcène qui se lit ici, le nom du peintre, l'inscription Léagros Kalos, et puis tous les noms, Sarpédon, Hypnos, Thanatos, mais aussi le nom des personnages latéraux qui sont des noms épiques, mais sans plus. De l'autre côté, on a d'autres guerriers en train de s'armer. Mais ces guerriers ont des noms de citoyens, pas des noms de personnages de l'épopée. Donc on est passé de la guerre épique, homérique, à la guerre du 5e siècle. Et en même temps, donc, il y en a un qui a juste son épée, l'autre qui a juste sa cnémine, ils prennent leurs armes. Il y a des motifs sur les boucliers, je crois qu'il y a là un scorpion. Et là, surtout, il y a un crabe qui est très intéressant, puisque, si vous voyez bien, ce crabe, il tient dans ses pinces deux tuyaux d'un holos. Donc les tuyaux, on traduit par flûte, par commodité, c'est quelque chose comme un hautbois, c'est l'instrument de la musique du banquet, c'est aussi l'instrument, on l'a vu, qui règle le pas des guerriers dans la phalange, donc c'est ambivalent, ça marche sur les deux registres, la musique du banquet et la musique de la guerre. Mais comme vous le savez, pas en grec, le crabe c'est karkinos. Et si vous mettez des mots sur cette image, le mot karkinos, on le retrouve dans un verbe qu'on trouve dans Athénée. Il y a dans Athénée un texte qui dit que pour jouer correctement de l'holos, il faut karkinein tous dactylous. Il faut articuler les doigts comme le crabe, comme les membres du crabe. Et donc le choix de cet épicème, je ne crois pas que le crabe soit un animal plus musicien que ça, par ailleurs, il est lié au mot. Parce que c'est ce délier des doigts et des pinces qui joue dans cette affaire. Et donc, je termine avec ce point, c'est que pour entrer dans ces problèmes de l'image, si j'essaie de me résumer, évidemment, il faut être attentif aux détails, mais certainement pas isoler le détail de son ensemble. Donc, oui, Karkinos est intéressant, mais cette scène d'armement aussi, ce sont des guerriers, des citoyens guerriers, mais en même temps des banqueteurs. Et le vase qu'on vient de regarder, ce n'est pas vrai de tous, chaque vase est une situation différente, articule d'un côté la guerre des citoyens au politique et de l'autre la guerre héroïque. D'autres vases font tout autre chose. Je vous ai montré quantité de vases, je vais m'arrêter comme ça. Chaque vase est une surprise, chaque vase est une équation particulière. Et pour le travail de l'historien, notre boulot, c'est de les mettre en série, de repérer d'abord, d'identifier les personnages, et donc d'aller chercher qu'est-ce que c'est que cet Héraclès avec des Égyptiens, Busiris, le bon texte. Identifier les objets, la macaïra, le canoun, mais ensuite comprendre pourquoi cet objet est représenté dans cette situation et pas dans celle-là, et quelles sont les logiques qui vont derrière. Donc, mise en série, et puis enfin, le rapport entre ces images et le monde réel, le monde de référence, il n'est pas analogique, il n'est pas mécanique, il y a un travail qui se fait de choix, de découpage, de composition, de montage. Et il y a un espace là pour peut-être mieux comprendre
en identifiant ses choix, la pertinence de ses choix. Et voilà pourquoi il y a de l'anthropologie des images. Je vous remercie.